What's up? J'espère que tu vas bien. Tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Bulk Day. On va faire une petite séance bras aujourd'hui. Hein. On va pas faire beaucoup d'exercices. Je vois que tu travailles, je suis fatigué. J'ai commencé à 6h. Donc je me suis levé à 5h. Enfin, 4h30 plutôt. Premier réveil, 4h30. Deuxième réveil, 5h. Pour aller au taf à 6h. J'ai fini à 13h. Là, il est 15h. J'ai mangé un tout petit peu, je suis venu. Franchement, je suis KO. J'ai du mal à aller à la salle après le taf le matin. J'ai du mal. J'ai même fait une petite sieste. Mais malheureusement, comme là, j'enchaîne 2 semaines à 6 heures, je dois m'habituer dès maintenant. Donc, petite séance biceps, on va faire les choses bien et on va envoyer comme il se doit. Premier exemple, full warm-up. On va sortir du curl, supination. J'ai pris les 10 kilos. On va se faire 12 répétitions, peut-être 4 fois. On va voir comment je me comporte. Allez. Une. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, parfait, on est bien. Là, je sens que j'ai un peu mal parce que toute cette semaine, je suis parti à la salle. J'ai pas fait des bulgay, mais je suis parti à la salle. Je fais un peu les épaules, un peu le dos, un peu les jambes, un peu les bras. Et j'ai des gros battures. Et là, je sens que c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. J'ai pas pris de jour de repos. 7 jours que je m'entraîne là, j'ai pas pris de jour de repos. C'est compliqué. Mais on tient. Là, en ce moment-là, j'ai une baisse de focus. C'est incroyable. Je vais à mes entraînements. Je ressens pas trop les courbatures. J'ai beaucoup de fatigue. J'ai du mal à mettre dans mes séances. Donc, j'ai repris une semaine d'entraînement avec mon casque de la musique. Ça fait longtemps que je préfère ça. Ça me fait du bien, mais même avec ça, c'était dur. Mais sans, c'était compliqué. C'était dur à être content de mon physique, avoir une bonne congestion, aller chercher loin, chercher la souffrance. C'était dur. C'était vraiment dur. Il y a des périodes comme ça où, tu vois, quand tu t'entraînes, tu sens que c'est mort. Tu sens que c'est mort. Tu sens que tu fais que des séances de merde. Et ça arrive, tu vois. Malheureusement, ça arrive. Même aux personnes qui s'entraînent vraiment, même aux personnes qui s'entraînent souvent, ça arrive. Et moi, ces jours-là, je les déteste, tu vois. Normal. Mais je suis quand même à la salle. Je déteste ces jours-là, mais je suis quand même à la salle. Là, c'est comme là. Hein. Là, c'est un jour où je sens que c'est compliqué. Hein. Je sens que c'est compliqué. Je suis fatigué. Là, j'ai un peu le taf. C'est dur. Mais la séance, on va la valider quand même. On va la valider. On va essayer de mettre lourd. Peu d'exercice, mais essayer de mettre lourd. Et valider la séance comme il se doit. Mais ouais, franchement, c'est dur. Hein. C'est dur, les gars. C'est dur, mais on lâche pas. On tient, on continue. Parce que c'est important. Deuxième, on fait ça bien. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Allez. Sept. Huit. Neuf. Dix. Onze. Douze. Ok, parfait. Je vais voir si je peux monter un peu. Le warm-up, il commence à être bon. Ici, le truc, ça va jusqu'à 20 kilos ici. Les haltères octogones. Je vais voir si je prends les 12 ou les 15. On va voir ça. J'ai pris les 15. Ça va être lourd, ça va faire mal. On va essayer de valider les 12 reps quand même à 15. Allez. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, allez, 13, 14, 15. Ok, parfait. Aujourd'hui, il n'y aura pas de tempo aujourd'hui, hein. Il n'y aura que des mouvements. Pas de tempo, rien. Et tempo, ça va trop muser psychologiquement, mentalement, tout, ça va muser. Mais ça fait du bien, lâchant que je suis bon. 15, c'est la bonne charge. On va en faire encore 2 ou 3 à 15 pour passer à l'exercice suivant. Franchement, pour te filmer des 100 jambes, faut que j'aille à Basic Fit, vraiment. Parce que là, venir ici en journée ou le soir, c'est pas possible. Pour faire une bonne 100 jambes, faut que je vienne le matin. Sinon, Basic Fit. Sinon, il y a une salle
que je devais tester à Saint-Étienne, ça s'appelle M-Gym. C'est une salle un peu body et tout. Faut vraiment que je teste ça. Faut que je teste ça. Je leur ai demandé sur Insta si je pouvais filmer. Ils m'ont dit oui. Donc faut que je vienne séance d'essai et que je filme. C'est aussi une possibilité pour moi. Mais comme j'ai dit, hein, faut que dans ce bulk day, je fasse plein de 100 jambes. Faut que j'en fasse plein. J'en ai pas fait beaucoup. Faut que j'en fasse plein. C'est important. Je veux qu'il y ait plus de 100 jambes que d'autres séances dans les 100 premiers épisodes. Vraiment. C'est important. Et là, aujourd'hui, à Saint-Etienne, c'est n'importe quoi. Hein. On est le. Je sais pas, on est quelle date? On est le 18. Le 18 avril, il y a eu de la neige aujourd'hui. Il neige en avril sur Saint-Etienne. C'est une dinguerie. Les gars, il neige en avril à Saint-Etienne. C'est n'importe quoi. Moi, de base, je suis enfant parisien, on connaît pas ça, la neige. C'était avant pour nous. Maintenant, il n'y a plus de neige. Normalement, à partir de mars, il neige plus. Mars, c'est du soleil, tu sors en t-shirt. Mais là, ici, il neige ici. C'est un bordel. Encore avec les 15. On fait ça bien. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Ok, parfait. Là, tu vois, comme c'est dur, j'ai un peu à mes haltères comme ça, tu vois. Au lieu de vraiment rester tout droit. Prochaine rep, c'est de rester tout droit. Parce qu'en fait, quand tu ramènes un peu en avant, je sais pas, c'est un peu plus facile. J'ai l'impression qu'il y a des muscles dans l'avant-bras qui m'aident, tu vois. Alors, quand je reste bien droit et je fais le mouvement, là, c'est dur. C'est que mes biceps qui tremblent. Après, ça peut être une impression ou je sais pas, mais je sens que quand j'incline vers l'avant, c'est un peu plus facile. Donc, on va essayer de maximiser le travail sur les biceps et avoir le plus de difficultés possible parce que c'est important. Allez, c'est parti. Dernière. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, okay, parfait, parfait, parfait. On est bien. Là, je vais voir si je peux trouver un coin là-bas, là, dans tout ce qui est développé couché pour être bien. Et puis, on va continuer à faire des exobras. Parce que le truc, c'est que là, je suis dans l'espace cross-training. Je commence à voir des gens qui font n'importe quoi, hein, qui sont au téléphone. Donc, du coup, qu'on bouge pour qu'on soit bien. On va bouger. Ok, là j'ai envoyé du curl, biceps unilatéral en prise marteau cette fois-ci, prise marteau, prise neutre. On va voir si on peut faire un petit blocage de 1 seconde au moins. Ok, là on va envoyer du curl biceps en prise neutre. On va faire ça bien, je fais les 22 kilos. Normalement c'était une charge qui commence à être lourde pour moi. J'ai des courbatures, normalement j'aurais mis plus. Mais on va voir si déjà ça passe avec 22 ou si c'est dur ou pas. On va se faire direct. Et je le fais assis, histoire d'avoir plus de stabilité. Allez. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Franchement, ça fait mal. Ça fait mal, mais qu'est-ce que ça fait du bien aussi de bosser sans tempo, sans rien, sans double contraction, sans sous-tension, sans reste-pause. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Les entraînements à l'ancienne, tu mets du lourd et tu t'arraches en 12 ou 10 reps ou 8 reps. Quand c'est très lourd, ça fait du bien.
Là, j'ai envie de monter quand même. J'ai envie de voir si elle est 26, elle est 36 heures, ça passe pas. Mais au moins faire du 8 reps en lourd. 8 reps en lourd, je pense que ça peut bien se passer pour ce mouvement. Là, là, j'ai pris les 26. Franchement, les 26, ça va faire mal. Je le sais. Je le sens. Juste, en fait, tu vois, quand tu déraques les haltères, tu sens que ça va être dur. Juste quand tu les retires, tu sens, tu dis, putain, dans quelle merde je me suis mis encore. Mais c'est pas grave. 8 reps. 8 reps, on va faire ça bien. Sachant que j'ai hésité, hein, à prendre 26 ou 28. Mais moi, tu vois, en fait, moi, j'ai un raisonnement simple et un raisonnement con. Je me dis, si je prends les 28, autant prendre les 30, tu vois. Mais automatiquement, 30, c'est trop lourd. Donc, en fait, je sais que 28, ça va être très très dur. Mais si j'ai envie d'essayer les 28, autant prendre les 30. Clairement. Là, c'est comme là, là, les 26 kilos. Je sens que ça va être dur, je sens que ça va être chaud. Mais ça passe bien. Si je vois que j'ai mal, mais les reps, elles passent tranquillement. Et je peux dans ma tête encore faire peut-être 10 ou 12 reps. Je prends les 30. Je prendrai les 30. Honnêtement, assis, c'est dur. La prise haute assis, c'est une prise. Enfin, c'est un exercice. Contrairement à debout, tu vas moins t'aider du dos, tu vois. Parce que debout, tu t'aides du dos et un peu des jambes. Tu prends appui sur les jambes, hop, tu donnes une impulsion. Et tu fais un mouvement qui est vraiment dégueulasse, tu vois. Alors que quand tu es assis, j'ai l'impression qu'on a plus de contrôle. C'est un peu plus dur. On est droit et on a envie de bien faire. Donc, on gagne bien au niveau des lombaires pour rester droit. Et on fait un mouvement qui est meilleur, à charge lourde. Donc, c'est pour ça que je me suis assis. Je sais pas si c'était clair ce que j'ai dit. Je suis désolé, hein. Je suis fatigué en même temps à cause du taf. Mais on va faire ça bien. On va faire ça bien. Allez. 26. 8 reps. C'est lourd. C'est vraiment lourd. Fais ça bien. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Allez. Sept. 8. Ah, c'est dur. C'est dur, ça fait mal. C'est chiant aussi. C'est chiant parce que ça fait mal. Mais j'aurais ça à cette charge. J'allais dire, vas-y, je prends les 30, mais j'aurais ça à cette charge. Parce qu'on va pas se mentir, c'est dur quand même. Et il me reste d'autres exercices à mettre en lourd. Et là, pour le coup, là, j'ai pas envie de me cramer. J'ai pas envie. Mais ouais, 26, c'est hardcore quand même. Où ma gourde? Et à chaque fois que je change d'exercice, à chaque fois, ma gourde, je l'oublie tout là-bas, là. Chaque fois. Troisième fois que ça m'arrive. Aujourd'hui. Vas-y, je prends ma gourde. Et je reviens. Attends, depuis tout à l'heure, je cherche ma gourde, mais elle est là. J'en suis sûr qu'on la voyait sur le plan de la caméra. Tout à l'heure, je la cherche, elle est derrière moi. C'est incroyable. Moi, sinon, au niveau des biceps, là, je sens la congestion arriver. Je sens qu'elle est là, mais je sens pas qu'elle est elle est hardcore, tu vois. Elle est juste présente, ma congestion. Mais j'ai du mal maintenant à avoir une congestion hardcore au niveau des biceps. J'ai vraiment du mal. Vraiment. Sachant que là, j'ai pris un petit pré-workout. Hein. Je l'ai pas dit, mais j'ai pris le Alpha Pré-Workout Pomme. Juste pour me réveiller un peu, tu vois. Je l'ai pris. J'ai fait une machine cardio. Tu vois, la machine, le vélo pour les mains, là. J'ai fait ça, histoire de bien m'échauffer les coudes, articulations et tout. Et j'aime beaucoup cette machine. Beaucoup, beaucoup. Je la faisais beaucoup avant, dans mes anciennes vidéos, mes toutes premières vidéos YouTube. Quand je m'entraîne à la Fitness Park Pantin. Mais ouais, j'ai fait ça histoire de bien me réveiller. Parce que j'étais KO, j'avais un coup de barre, c'était dur. Et puis voilà, j'ai enchaîné direct après avec le premier exercice.
Là, je souffre un peu. Et on va encore envoyer, hein. On va encore envoyer 26 kilos, prise neutre, lourd. On va faire ça bien. Là, tu vois, j'aurais aimé enlever de la poulie en lourd. J'aurais aimé, hein. Mais il y a du monde à la poulie. Il y a beaucoup trop de monde. Pour faire la poulie, faut soit venir le soir comme je le faisais avant, quand j'étais du soir. Mais là, quand je suis du matin, c'est mort. C'est mort. Tu peux pas. Tu peux pas. Après, ceux qui là, tu peux. Ceux qui peuvent me dire, ouais, là, comment j'ai envie d'envoyer des exos à la poulie en lourd. J'ai envie, mais je peux pas. Malheureusement, je peux pas. Je peux pas. Il y a trop de monde. Beaucoup trop de monde. Et ça, le problème, c'est que quand je suis du matin et je viens l'après-midi, c'est mort. Je commence à avoir du monde. Je commence à être blindé. Je peux pas tout faire. Quand tu t'entraînes et je te filme, c'est très très compliqué. Et ceux qui vont me dire oui, mais viens le soir comme tu faisais avant, c'est mort les gars, c'est mort, c'est mort. Je me réveille à 4h30, je peux pas rester jusqu'à 23h à la salle, je peux pas. Parce qu'après je marche pour rentrer, je marche, le temps que je fasse à manger, je mange et que je trouve le sommeil. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui va dormir facilement, tu vois. C'est mort, genre le travail, je serais trop fatigué, je serais épuisé. Donc je suis obligé, quand je suis de l'après-midi, de venir. Enfin, quand je suis du matin, de venir l'après-midi. Je suis obligé. Et c'est chiant. Mais on va trouver une alternative. C'est pas grave. On va trouver une alternative cool. Bon. On va renvoyer nos 26 là, nos parpaings là. Et que tu vas faire les choses bien parce que c'est important. Allez. Allez. 26. On continue, on fait ça bien. Cinq, allez. 6. 7. 8. Oh. Ouais. En fait, je sens que mes bras sont congestionnés, mais je sens pas le plaisir d'avoir une congestion. C'est une dinguerie. Voilà. Là, j'ai mon retour de téléphone. Je sens que mon bras, il est bien. Il est vraiment bien. Je suis content, je suis fier, je suis heureux, je suis tout ce que tu veux. Mais je ressens pas le plaisir d'avoir cette congestion. C'est une dinguerie. Je suis pas heureux, pas, je me sens pas bien physiquement, tu vois. Je suis conscient que j'ai un bon physique, mais je sais pas si tu comprends ce que je dis. Il y a des séances quand tu les fais, t'es congestionné, t'es content, tu vois, t'es content d'être bien. Or que là, j'ai l'impression que, vas-y, ma séance, elle est pas assez efficace, tu vois, mais pas assez mal. Après, je sais que pour avoir cet effet-là, faut que je mette de l'échec et des trucs comme ça, des trucs qui vont épuiser psychologiquement, malheureusement. Mais on a dit aujourd'hui, on reste sur du bulk. On reste sur du bulk, on reste sur de la masse, on reste sur des exercices qui font mal et qui sont lourds. On va voir en fin de séance, peut-être. On a fait deux exercices. Je vais voir si je peux mettre un troisième exercice bras. Et après, on va voir si on rigole. Si on rigole ou pas, si on se détruit, si on se tue. Parce que moi, ce que je voyais dans ma séance, c'était de faire au moins quatre exercices bras. Quatre exercices biceps. Pour être bien. Et après, on verra si on rentre ou si on fait autre chose. Mais ouais, au moins quatre exercices. Et après, on voit. Après, on voit. Mais là, tu te caches pas, hein. 16h18. Quand je vais rentrer, je vais faire une sieste. Elle va être tellement incroyable. Elle va être tellement incroyable, les gars. Ce serait une dinguerie, vraiment. Je me chauffe un peu les épaules. J'ai pris les 30 kilos pour faire mon curl. Mais j'ai besoin de chauffer un peu mes épaules. Je sais pas pourquoi ça me rassure. Quand je m'apprête à soulever lourd et que mes épaules sont froides, j'ai l'impression que j'arrive pas, j'arrive à rien. Du coup, j'ai besoin de me chauffer un peu les épaules, histoire d'être bien. Je sens que j'enlève mon haut aussi.
Mais là, mon corps se refroidit. Mon corps s'est grave refroidi. Du coup, faut que mes épaules soient chaudes. Je vais voir aussi si je mets mon casque. Si je m'autorise à tricher, à mettre mon casque de la musique pour envoyer ma série. Mais je pense pas. Sinon, ce serait trop facile. On a dit, on n'autorise pas la triche pour l'instant. Même si que je te ferai des bulk days où j'aurai mon casque, où je parlerai très très peu, il n'y aura que l'immersion. Il n'y aura que moi en train de gueuler, et voilà. Mais pour faire ça, il faut que je prenne un abonnement sur ma plateforme de musique libre de droit, Artlist. Comme ça, je vais te faire un truc avec de la bonne musique et de l'immersion totale. Parce que si je te fais ça avec un fond où t'entends juste moi en train de respirer, ça va être nul. Moi, je vais te faire un truc vraiment immersif, vraiment cool. Et pour ça, j'ai besoin de musique. Mais bon, l'abonnement, c'est presque 300 balles, donc voilà. J'attends. Parce que c'est de l'argent, tout ça. 300 balles pour un an. Là, je sens que je suis bien. La congestion, elle est incroyable. Elle est incroyable. C'est juste visuellement, hein. Mais sinon, moi, de moi-même, je la sens pas. C'est très bizarre. Allez. Maintenant, dans mes routines, je mets beaucoup aussi élévation latérale, supination. J'aime bien. Le ressenti, il est différent. Savoir un truc, quand je fais ces séries là, je compte pas, hein. Je compte pas le nombre de séries, je compte pas le nombre de reps. C'est juste, je fais jusqu'à ce que mon corps se réchauffe et il est prêt à entamer le combat. Aussi, deuxième chose, le temps de repos que je prends, c'est entre 1 minute et 2 minutes de repos pour ces séances là. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent le temps de repos. Les gars, le temps de repos, je pense que j'ai dédié une vidéo dessus. Ça dépend vraiment de la journée que je passe, vraiment. Parfois, il peut être rapide, parfois, il peut être long. Ça dépend vraiment. Des jours où je me sens fatigué, je me sens épuisé, je me sens mort, tu vois. Du coup, le temps de repos, 3 minutes. Je peux monter à 4-5 minutes, tu vois. Mais d'autres jours où je me sens bien. Je prends mon pré-workout, je suis bien, je vais pas à la salle pendant 2 jours, je reviens, bam, temps de repos 30 secondes, temps de repos 1 minute, temps de repos 1:30. Tu vois, ça dépend. Jamais retiré de haut en live. Jamais. Pendant ces bulk days, jamais fait ça. Je sais pourquoi. Parce que mon micro était toujours sur mon t-shirt. Là, mon micro, il est sur mon bandeau. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai racheté un bandeau, hein. Parce que je l'avais celui-là, mais je l'ai perdu dans mon déménagement. Je sais pas comment j'ai fait, je l'ai perdu. Du coup, là, j'en ai racheté un. Faut mettre le micro dessus. C'est pour le style, mais surtout pour foutre le micro dessus. Donc, si on me dit, ouais, pourquoi t'as un bandeau et tout, c'est pour le style, mais surtout pour mettre le micro dessus. C'est important, hein. C'est pour mettre le micro dessus. Parce que j'ai l'impression que le son, il sort mieux, tu vois, quand il est en haut que quand il est sur moi. Quand il est sur moi, je bouge, ça me fait des interférences, des trucs bizarres, c'est pas bon. Putain, par contre, là, des bras de jet, là, c'est une dinguerie. Je sais pas si c'est moi, si c'est le plan, si... Vas-y, on envoie les 30, c'est parti. Allez, là, je vais demander de la force à mes avant-bras, mes triceps aussi. Parce que dans ce mouvement, mes triceps sont sollicités un tout petit peu, je les sens. Et mes biceps, surtout mes biceps. Allez. Fais ce que tu peux, mais si tu fais à 8 reps, t'es un bon. En 30, il y en a, ils font le pec avec ça. Allez.
Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Oh. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. C'est une dinguerie comment ça fait mal. C'est une dinguerie comment ça fait mal, mais comment ça fait du bien aussi de soulever lourd. Ça fait du bien. C'est une dinguerie, je suis content. Je pense qu'on sera une dernière encore. Une dernière à 30. Une dernière où on s'arrache la gueule encore à 30. Et après on change d'exercice. Bien évidemment, à 30 c'est dur. Ça fait mal, hein. Ça use. Du coup, mon temps de repos, il est long. Comme il est long, je me refroidis. Comme je me refroidis, j'ai froid. Comme j'ai froid, je suis moins performant. Et du coup, il faut que je me réchauffe avec des élévations latérales. C'est pour ça que mes épaules, elles sont grosses après. Je fais trop d'élévations latérales. Faut que j'arrête. Mais en même temps, c'est mon mouvement. Tu m'as dit quoi, mec? Oh, non, c'est pourquoi pas en entier. Mais j'ai un bon angle. J'ai un bon angle au moins. Ouais, c'est pas grave, on va faire la terre à tout le monde. Ouais. Ouais, ça c'est pas grave ça. Oh, tu veux recruter là. Ouais. Ok. Mais ouais, là. Je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Ouh. Parfait. Ouais, je suis au niveau de la congestion. Je suis là. Hein. Je suis vraiment là. Je suis présent. On va continuer. C'est important. En fait, le problème, c'est que je peux même pas m'entraîner, me filmer et parler tranquillement. Toujours quelqu'un pour me dire un truc. Pour regarder l'autre de la caméra, pour dire qu'on ne voit pas en entier, c'est normal qu'on ne voit pas en entier, c'est normal. On ne peut pas me voir en entier dans une salle qui est petite et qui est serrée. On ne peut pas. Si je fais que des plans, on me voit en entier, on va avoir beaucoup de gens derrière. Et y en a, ils vont se plaindre. Parce qu'il y en a, ils vont voir la vidéo, ils vont dire « Ah, oh, on me voit » et tout. Ils vont se plaindre, tu vois. En plus, parlant de ça, il y a des gens qui se plaignent, des gens qui filment, qui font des TikTok et tout, qui font des shorts sur Instagram. Parce qu'il y en a, on les voit dans les vidéos, tu vois, ils sont pas contents. Et du coup, ils se plaignent à l'accueil. Donc, mais ils sont déjà venus me voir en me disant, ouais, fais attention quand tu filmes et tout. Je tout le temps attention. C'est mon métier, c'est mon taf, tu vois. Et du coup, ils vont le dire à tout le monde. C'est relou, c'est relou. Donc moi, j'essaye au maximum d'être discret, d'être concentré dans mon coin, faire une bonne séance et me filmer et envoyer, tu vois. J'essaye. C'est pas facile, mais j'essaye. Parce que, je crois qu'on me fasse chier. Je me suis inscrit à Fitness Park 3 mois juste pour me filmer. Pas pour m'entraîner, juste pour me filmer. Je peux m'entraîner là, mais pour m'entraîner, je peux aller n'importe où. Je suis à la Basic Fit. En vrai, je suis à la Basic Fit, je m'entraîne bien. Mais je suis venu là juste pour filmer, donc je vais être le plus discret possible. Même si que ici, on a, ils savent que j'ai une chaîne YouTube. Franchement, merci. Il y en a beaucoup qui me donnent de la force ici. Des vrais frères. Mais j'essaye vraiment d'être dans mon coin, d'être focus et de déranger personne. Surtout ça, déranger personne. Parce que c'est important. On va renvoyer 30. Et par contre, là, c'est important ce que je dis. C'est un jour, tu me vois faire un double curl à 30 avec un blocage. Genre, je fais comme ça, compte une ou deux secondes à 30 et je fais des séries de 10. C'est que je suis chargé. Concrètement, c'est que là, c'est bon. J'ai passé le pas et j'ai rien dit à personne. Parce que 30, franchement, c'est super lourd. C'est vraiment super lourd. Allez. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. 6, allez. Ah.
7. Last. 8. Prendre les 6. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Ok, parfait. Oh. Non, franchement, je suis bien. Je suis bien. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien de soulever lourd. Les sensations de soulever lourd, c'est les meilleures. C'est les meilleures. Je posais les 30, je posais les 6. Et je pense qu'on va prendre. On va prendre une barre Z. Ouais. On va prendre une barre Z, on va faire du curl biceps. Avec notre barre Z. Tranquille. Bon, finalement, je suis resté à ma place. Parce que là-bas, là, c'était n'importe quoi. On va envoyer 8 ou 10 reps. À 50 kilos. Curl barre Z. Normalement, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. C'est lourd, hein, mais ça va le faire. Allez. Mouvement propre. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, parfait. Oh. Parfait. J'hésite à mettre un autre exo avec. Un exo en série. Ça, c'est mon côté sadique qui revient, sadique des bras. Je vais prendre les 8 ou les 10 kilos et on va se faire 10 en série juste après. Comme ça, on va se faire 8, 10. Ça va être bien. Ok, donc là, j'ai ramené les 10. Donc, comme j'ai dit, ça change pas. 8 reps à 50 kilos et 10 reps avec les 10 kilos. Et on va essayer de faire un mouvement lent. Ok, il n'y aura pas de tempo, mais le mouvement sera lent. C'est la seule chose que je m'autorise à faire. Le seul truc de sadique que je m'autorise à faire pour l'instant dans ce programme. Vraiment. Après, on verra avec l'énergie qui me reste. On verra. Mais ouais, j'ai hâte de repartir. J'ai vraiment hâte, mon corps il chauffe. La congestion elle vient pas comme je veux qu'elle vienne, mais mon corps réchauffe et ça c'est bien. Allez, c'est parti. Fais ça bien. C'est la deuxième. Est-ce que la deuxième? 8 reps lourdes. 10 reps légères. En vrai, j'aurais aimé avoir deux barres Z. Ici on a plein, hein, mais j'ai pas envie de monopoliser deux barres pour rien, tu vois. J'ai pas envie. Mais j'aimerais bien avoir deux barres Z. Comme ça, je prends une barre avec 50 et une barre avec 30 kilos. Et là, je m'amuse. Mais bon, on a les haltères. C'est bien. Allez, fais ça bien. On y va. 8 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. 10 kilos. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Parfait. Oh. Je suis bien. Pas mal. Là, tu vois, quand je cherche un peu, je sens une sensation que j'aime. Mais légère, vraiment légère. Elle est encore loin, tu vois. Mais je sens la sensation de... Au moins, là, je commence à t'entraîner, je commence à faire les choses bien. C'est bien.
C'est important, c'est bien, mais c'est pas assez. Pour avoir pleinement cette sensation, en vrai, faut que je prenne les 16. Faut que je prenne les 16 et je suis en mode contrôlé, mais j'ai envie de rentrer chez moi en vie. Et en vrai, si j'étais en repos le lendemain, je l'aurais fait sans problème. Mais demain, voilà, si je taffe, tout c'est compliqué, c'est dur. Mais on est quand même bien, on fait quand même une bonne séance. Je me repose 2-3 minutes et on repart pour la troisième. On va en faire encore deux, des comme ça. Encore deux pour être bien. Allez, on y va. Fais ça bien. Là, je sens que mon corps, il est en train de me lâcher petit à petit. Je le sens. Mais l'énervement, il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu vois, je suis obligé de mettre de la vitesse. Je fatigue trop. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, parfait. Oh. Oh. Je suis KO. Je suis KO, mais il m'en reste une. Il me reste une dernière. Une dernière. Et on est bon. Ouais, là, je fais ma dernière. Après, c'est bon. Après, c'est bon. En fait, à chaque fois que je m'assois, je sens la fatigue de ma journée. La fatigue de mon réveil, je sens mon coup de barre, c'est réel. Et moi, je suis pas un mec du matin du tout. Je suis vraiment pas du matin du tout. Vous savez qu'il y en a, ils vont dire, oui, mais tu t'habitues le matin, c'est mort, les gars. C'est mort. Ça fait des années que je m'entraîne, que je fais des vidéos. La plupart de mes vidéos sont faites le matin, parce que voilà, c'est le matin où t'es le plus tranquille. Mais j'y arrive pas. En vrai, j'arrive pas, les gars. La plupart de mes vidéos que je faisais le matin et que je fais le matin, je t'explique ce qui se passe. Je m'élève, on va dire, à 6h ou 8h. Je vais à la salle. Enfin, je mange, je vais à la salle. Je rentre, je dors. Je fais une sieste. J'ai oublié de faire une sieste. Je fais une sieste de 2-3 heures au moins. Et après, je peux commencer ma journée. C'est vrai que moi, je comprends pas les gens qui se réveillent. Ils vont à la salle, après, ils vont au travail. Franchement, vous êtes trop forts. Moi, c'est plus, je vais au travail et après, je vais à la salle. Et même si qu'avec le travail, ta journée est fatigante, je soulève des trucs et tout, et ben c'est pas un souci, tu vois. C'est pas un souci. Je trouve l'énergie pour faire des choses, tu vois. Mais là, le matin, c'est mort. C'est vraiment mort. Allez, j'ai ma dernière. Et on rentre à la maison. Allez, les dernières. On envoie. Fais ça bien. Ça passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Ah, c'est une dinguerie. Allez. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Oh. Enfin, je suis bien. Je suis fatigué. Je suis KO. Mais moi, on a fait les choses bien. J'ai pu m'entraîner un peu, je suis content. Je crois que c'est le bulk day 21. On arrive dans les bulk day de 20 à 30. On va essayer de mettre un peu plus d'intensité que les précédents. Même si on fait des séances moins longues, des séances plus rapides, on va essayer de faire du court mais intense. Des séances qui font mal. Des séances où si tu sens que t'es fatigué, t'as pas beaucoup de temps, tu vas à la salle, tu peux t'inspirer des séances, faire pareil et avoir mal comme moi,
Et puis voilà. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que chaque séance est bénéfique. Même si tu sens que t'es pas dedans, t'es pas dans ton bain, t'es pas dans ton élément, chaque séance est importante. Ok? En tout cas, moi, je te sais ici. Mets un j'aime, un commentaire. Si tu kiffes ces bulk day. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour un nouveau bulk day.